dormi avec une tresse, du coup j'ai les cheveux tout frisés. Ouais, je sais, on s'en fout. Mais c'était juste histoire de raconter une connerie, quoi. Salut toi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais. J'espère que tu vas bien et que tu profites du soleil qu'on n'a pas. Il fait tout bleu là, c'est bizarre, hein. Je suis assortie, n'empêche, c'est bien. C'est ma couleur préférée, c'est normal. Ça se voit, hein. Pas moyen de faire un meilleur éclairage là. Ouh, c'est blanc ça. Bon bah d'accord, c'est reparti aussitôt. Bon bah on va laisser comme ça. Et si je mets en plus foncé, ça va faire tout noir. Il va faire tout noir. Ta gueule. Je l'ai dit gentiment. Wow. Très bien. Bon alors, du coup... Et du coup, aujourd'hui, je vais te présenter les créations que j'ai réalisées au mois de... Au mois d'août, là. Donc au mois de juillet. Voilà, ouais, je vais y arriver. Et cette fois-ci, ce sont des créations en résine. J'ai pas fait du tout de polymère. C'est la chienne. Avec son tapis qui fait du bruit. Ouais, j'ai pas du tout fait de création polymère. Je pensais que j'aurais le temps de faire quelques petits trucs, mais en fait, rien du tout. J'ai toujours pas le temps. Et ce qui est génial avec la résine, c'est que en une fois, tu peux en faire une vingtaine d'un coup. Ça, c'est cool. Tandis qu'en polymère, un bijou, ça te prend une journée entière. Une heure. Si c'est rapide. Ou même parfois 2 jours, ça dépend. Alors que là, avec de la résine, tu fais tout d'un coup. Et ça, c'est cool. Du coup, ouais. Bah après, il y a certains bijoux qui avaient besoin de retouches et de machin et de bidule et de chouette. Donc, il y a certains bijoux qui m'ont pris 3 jours plutôt que 1. Voilà, c'est rien du tout, quoi. Hein, comparé aux bijoux en polymère qui te prennent beaucoup plus de temps, en résine, c'est plus rapide. C'est juste le temps de séchage qui est long. Parce que moi, c'est de la résine époxy. Donc, il faut entre 12 et 24 heures pour que ça sèche. Mais bon, bref, c'est qu'un petit détail. C'est pas à chaque fois, en ce moment, j'arrête pas de vous dire que j'ai jamais le temps de faire ci, j'ai jamais le temps de faire ça, mais vous savez pas pourquoi. Je n'ai encore jamais dit jusqu'ici pourquoi j'ai pas le temps. Et c'est tout simplement parce que je suis rentrée en formation pour faire une reconversion professionnelle. C'est à l'origine, je suis secrétaire comptable, mais c'est un truc que j'ai toujours détesté. Je suis allée dans le truc le plus simple. Je fais secrétaire, ça prend. Voilà, hein. C'est pas. Bref. Je vais pas dévaloriser ce métier-là, hein, mais ouais, j'ai été au plus simple. Et au final, bah, je me fais chier, mais comme c'est pas permis... Tu fais du bruit, ma fifi. Et ouais, non, ça me plaisait pas, rester assise sur un bureau en train de faire des clac 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 clac. Moi, à un moment donné, ça me saoule, quoi. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger, il faut que ça bouge, il faut que... Bref, du coup... C'est pour ça que maintenant je fais une reconversion professionnelle pour devenir fleuriste. Du coup, là, je suis en formation jusqu'au 30 août et à partir du 30 août, je rentre dans une autre formation pour concrétiser mon projet, quoi, tout simplement. Et j'en aurai pour 10 mois. Alors pendant 10 mois, à mon avis, ça va être encore compliqué, quoi. Je vais batailler avec le temps. Parce que là, ce que je fais, les créations de bijoux, c'est juste un hobbit. Hein. Non, mais j'en ai marre de moi. Oui, c'est un hobbit. Avec le Seigneur des Anneaux. Mais oui. Ouais, c'est pas un métier, c'est juste une passion, un passe-temps, un loisir, quoi. C'est juste ça. Je fais ça juste pour m'amuser. Mais c'est ce qui, ça me saoule parce que maintenant, j'ai même plus le temps de m'amuser à faire ça, quoi. C'est hyper frustrant. Et j'ai chaud, là. Donc, ouais, c'est saoulant. J'adore faire des bijoux et je trouve plus le temps. Et ça m'énerve. Et là, je me dis qu'avec la formation que je vais faire, c'est un CAP en alternance, en fait, hein, tout bêtement, et ben j'aurai encore 2 fois moins le temps, quoi. Je sais même pas comment... Je sais pas. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, là. En tout cas, pour la chaîne YouTube, je sais pas comment ça va se passer. J'en ai pas la moindre idée, hein. Je suis pas devin, je me prévois pas l'avenir. Donc on verra comment ça va se passer, quoi. Mais ouais, à partir du 30 août... C'est dur de dire ça, 30 août. Mais non, c'est pas dur. Bon bref, du coup, ouais, je rentre en CAP, en alternance. Je retourne à l'école. ça me fait chier, putain. Plus de 30 balais, je vais me retrouver avec tous les gamins, là. Ça va être mignon, tiens. Ça me saoule, mais au plus haut point. Et en plus, je l'ai toujours dit, il est hors de question que je retourne à l'école. L'école m'a traumatisée quand j'étais petite. Hein. Je dis plus jamais de ma vie. Bah tiens.
Faut jamais dire jamais. Bon, allez, trêve de blabla. En tout cas, toi, j'espère que tu vas bien. Je me suis déballée à toi, alors tu peux faire la même chose. Hein. Si ça va pas, tu me le dis. Et on pourra en parler. Hein. On pourra s'échanger du tout. C'est la communauté, hein. On est là pour le partage. Alors, si ça va pas, ou si ça va, hein, bon, tu peux me le dire. Là, il m'a dépouillé mon truc. Je suis dégoûtée. Et j'avais passé un temps fou à faire ça. Hein. Bah oui, hein. T'es pas gentil. Hein. Viens. Tu veux faire ça tout à l'heure? C'est mon loulou. Ça va, mon bébé? Oui? Tu veux aller où? Tu veux aller sur ta cage? C'est ça? Mais si tu veux sur celui-là? Mais vous êtes fou! Oh oui! Ouais, donc si jamais t'as envie de parler, hein, je suis pas une psy, ni rien du tout, je suis pas calée dans le domaine, mais de vider son sac par moment, ça fait toujours du bien, donc... Ça sera du donnant. J'arrête de blablater. Blablater, blablacar. Et je perds mes cheveux. Et je vais te montrer les créations que j'ai réalisées en résine. Il y en a pas mal que j'ai foirées qui sont parties à la poubelle. Comme à chaque fois, de toute façon. Et il y en a d'autres que j'ai foirées mais que j'ai gardées pour moi. Je me suis sacrifiée, je les gardais pour moi. Tant pis, elles sont pas belles, mais je m'en fous. Je les garde. Et du coup, les autres bijoux, bah, ils seront disponibles sur la boutique. Tout simplement. Je montre vite fait les bijoux que j'ai gardés pour moi, parce qu'on va pas s'attarder sur le sujet. Donc il y en a qui sont foirés, qui voient que j'ai loupé, mais que finalement je les aime bien quand même. Mais bah, ils sont trop foirés pour les vendre, donc bah, je les garde pour moi. Et d'autres que, comme le petit bracelet là, que j'ai fait exceptionnellement pour moi, exprès. Je l'ai fait d'exprès pour moi. La plupart des bijoux sont couleur menthe, bien évidemment. Celui-là par exemple, il a été complètement foiré parce que la petite coupelle avec le piton, pour attacher le bijou, il est tombé à l'intérieur. La résine n'était pas entièrement prise. Du coup, quand j'ai mis ça pour accrocher mon bijou, c'est tombé à l'intérieur. Du coup, j'ai dû en remettre une par-dessus, que j'ai collée à la super glue, et du coup, ça fait tout dégueulasse. Celui-là, il n'a pas spécialement de défaut, mais c'est tellement un coup de cœur que j'étais obligée de le garder pour moi. C'est vraiment ma couleur préférée et voilà, je pouvais pas passer à côté. Bon, tu me diras, derrière, c'est pas très propre. Donc, bref, voilà. Les boucles d'oreilles sont complètement foirées. Elles sont pas très jolies. Mais c'est ma couleur préférée, donc bah, je les garde. Ce sont des vrais pétales d'orchidée. Quand j'ai fait mon stage chez un fleuriste, il y avait une orchidée qui était tombée, du coup je l'ai récupérée, j'ai fait sécher les pétales et je les ai résinés. Mais ça n'a pas du tout fait le rendu que je voulais. En tout cas, ce sont des vrais pétales d'orchidée. Bon, ça, la petite fiole, je la garde pas pour moi, mais je ne sais pas quoi en faire pour le moment, donc elle reste en stand-by. Et la fiole, elle est phosphorescente, elle brille dans la nuit. Oui. Ça peut être de la poussière de fée ou la poussière de luciole, carrément. Quelque chose de magique, de féerique, de fantastique. Voilà, c'est comme on veut. On laisse libre cours à son imagination. Et la petite pierre, en fait, normalement, elle était sur une bague, mais ça n'a pas tenu. Donc, il faut que je refasse ça. Mais du coup, je vais la garder pour moi. Parce que je l'aime trop et puis elle va bien avec mon collier. Et le collier de l'amitié, c'est pour ma fille parce que bah, normalement c'était pour mettre sur la boutique, mais il a été foiré, donc du coup c'est ma fille qui le récupère et elle va donner l'autre moitié à sa meilleure amie. Et je sais pas si tu te souviens, en fait, ces aimants-là, je les avais fait dans mon... Je vous avais présenté dans l'ancienne vidéo au résine. Mais j'avais mis les aimants à l'envers, parce que je suis blonde jusqu'au bout. Hein. Du coup, les aimants, eh ben, ils étaient pas aimantés. Ça marchait pas. Du coup, voilà, j'ai remis des aimants à l'endroit, et cette fois-ci, ça fonctionne très bien. Donc ça, ouais, c'est des vieilles créations qui étaient restées en stand-by, parce que j'ai fait des conneries.
Et j'ai les oiseaux qui foutent le bordel en même temps, ça c'est génial. Ensuite, j'ai pareil, ça c'était dans l'ancienne vidéo en résine, mais j'avais pas mis assez de résine, du coup mon estampe ne tenait pas. Alors c'était resté en stand-by aussi, puis bah là j'ai pu rafistoler tout ça comme il faut. Ensuite, c'est ma petite broche papillon. Tout simplement, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Et vu que je m'étais fait un bracelet pour moi, et bien j'en ai fait un autre pour la boutique avec des petites perles en résine. Tout simplement. Et tout le reste, c'est des colliers. C'est un petit chandelier et j'ai mis de la résine dans le chandelier en fait, tout simplement. Et ça fait une empreinte digitale. En tout cas, moi j'ai vu ça comme ça. Galaxie entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Voilà, tout simplement. Et derrière, pour accrocher tout ça, j'ai mis une petite estampe. Ensuite, un mandala que j'ai coloré avec des encres à alcool, tout simplement. Un petit bijou steampunk avec plein de petits engrenages. J'adore celle-là. Je voulais les garder aussi pour moi, celle-là, à l'origine, mais je suis bon, j'ai peut-être déjà un petit peu trop de bleu, alors on va se calmer. Papillons en résine, parce que les papillons, c'est la vie. Thank you.
Et du coup, voilà, en ce qui concerne les bijoux en résine, j'ai déjà fait tout le tour. Voilà. Mais cette vidéo-là a déjà été trop longue parce que j'ai fait trop de blabla qui veut rien dire. J'ai besoin de m'exprimer parce que face aux gens, je m'enferme comme une huître. Du coup, quand je suis toute seule, eh bien, j'ai besoin de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça. C'est à cause de ma timidité. Hein. Face aux autres, j'arrive pas à parler correctement. Oh putain, on m'a fait peur. Oui, t'es chier. Hein. T'étais censé arrêter de fumer. Hein. Bah ouais. T'es sérieux? Bisous. Pas possible. J'ai jamais été tranquille. Oh, j'avais pas vu qu'il m'avait répondu. Du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais. Qu'est-ce que je disais comme connerie encore? Je ne sais plus. Me perturber, là. De toute façon, j'en étais à la fin. Bah attends, j'ai... Le gros trou de mémoire, qu'est-ce que je disais comme connerie? Putain, je deviens amnésique, moi, ça craint, là. J'ai la maladie de ma grand-mère. Si j'ai Alzheimer déjà à 34 ans, où est-ce que je vais aller, moi? Ouh, ça fait peur. Bon, du coup... Bah, je sais plus. Je me fais peur, là. Et du coup, ça me donne chaud. Putain, la vache. Ouais, tant pis, hein, je vais me répéter, hein, certainement. Je sais plus où j'en étais. J'ai fait tout le tour. Je t'ai montré toutes les créations que j'ai réalisées tout au long du mois de juillet, en résine. J'espère que le mois prochain, je vais pouvoir faire quelques créations en polymère, parce qu'on m'en a réclamé sur le thème de Harry Potter, en plus. Donc, il faut que je fasse des créations sur Harry Potter. D'autres que je n'avais pas encore faites jusqu'ici. Il va falloir que je fasse marcher mon imagination de ce côté-là. Parce que j'ai déjà fait tout le tour de Harry Potter, quand même. Hein. Bon, bref. Ouais. C'est tout. Du coup, bah, j'ai pas fait de tuto ce mois-ci non plus. Parce qu'en résine, il n'y a pas vraiment de tuto à faire. Hein. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai fait là, non. Il n'y a pas de grand intérêt. J'ai fait des choses basiques en fait. Donc, du coup, bah, on va couper très court à cette vidéo parce que j'ai déjà fait tout le tour. Tu peux retrouver tous les bijoux sur ma boutique et le lien est en barre d'infos, comme d'hab. Mais je dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux, bien sûr. Ça va de soi. Raconte-moi tout ce que tu veux en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Il n'y a pas de souci, il faut juste me laisser un peu le temps. Je suis un peu longue à la détente. Mais j'ai plus le temps, c'est horrible. Mais c'est ma devise, c'est la moindre des choses. Si tu prends du temps, toi, personnellement, pour venir me parler, la moindre des choses, c'est de te répondre. Ça me paraît logique. C'est de la politesse, quoi, merde. Je ne vais pas laisser les gens dans le vent. On ne va pas élever comme ça. J'ai appris les bonnes manières. Je dis beaucoup de gros mots, ça c'est clair. Je suis très grossière, mais je suis pas mal polie. J'ai joué au puzzle dans cette vidéo. Voilà. J'ai parti, il y en a par là. Il faut que j'arrive à tout rassembler, là. C'est du n'importe quoi. J'ai l'idée, je suis carrément à l'ouest, hein, c'est dingue. On m'a retourné le cerveau de toute façon il n'y a pas longtemps et du coup j'arrive plus à refaire surface. Là. On m'a perdu. On m'a complètement perdu. C'est pas dans mon habitude d'être comme ça, j'aime pas ça. Hein. J'ai horreur de ça, ça m'énerve. Et c'est pour ça aussi que je suis souvent les nerfs à fleur de peau. Quoi. Et tout va bien. Donc du coup, ouais, c'est tout. Je suis en train de nager dans un océan, là je suis complètement perdue. Je sais pas où je vais. Bon, en ce moment, de toute façon, j'ai la tête carrément ailleurs. J'ai tout le temps les nerfs à fleur de peau. C'est une très mauvaise passe en ce moment, je t'avoue. Entre le stress, l'angoisse, la peur, la panique. Je sais pas où est-ce que je vais. J'aime pas être comme ça, c'est pas dans mon habitude. Donc, ouais. J'ai du mal là. Je suis en train de. Je vais me reprendre en main, c'est juste une question de temps, c'est rien, tout va bien. Donc du coup, ouais, bref, bah, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, alors c'est le moment de faire des gros poutous. J'ai dit poutou poutou. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ouais. Normalement, dans quelques jours, on lui enlève enfin sa collerette. J'espère, hein. Le mois dernier, ils nous avaient dit la même chose, ils ont dit, oh bah non, on va attendre encore un peu.
Oui, tu parles, comme ça je paye les consultations. C'est tout bénef pour eux. Ils en ont rien à foutre que toi tu sois malheureux avec ta collerette, hein? Oh mon bébé. Oui, doucement, oh. Petit bisou. J'ai failli me faire choper là. T'as failli faire du mal à maman, mais t'es un petit vilain. C'est câlin. Et puis ça sent pas bon ta collerette, hein. Elle pue, hein. Je peux pas l'enlever pour la nettoyer. Puis tu te laisses pas faire. Ah non, t'es un petit vilain. Oh bébé. Oh, regarde les crêtes-crêtes. T'aimes bien les crêtes-crêtes, hein? Oh, t'as pas envie là. Tu fais ton vilain. Tu fais ton vilain. T'as soif? Non? T'as pas soif? Oh, ça y est, sois énervé, mes loups. T'es énervé? Tu veux pas soin? T'es sûr que t'as pas soin? Non? Tu retournes là-haut?